L'homme qui entre dans le box s'appelle Philippe Gillet. Cet agriculteur de 46 ans est accusé de 2 meurtres à 1 an d'intervalle. Et chose incroyable, à chaque fois la victime n'est autre que sa compagne. Céline Gillet, 34 ans, est morte en 2012. Puis Anaïs Guillaume, 21 ans, a disparu en 2013 sans laisser de traces. Aujourd'hui, Philippe Gillet nie en bloc. Alors les jurés vont analyser les faits, les indices, et vont avoir la lourde responsabilité de trancher. Coupable ou innocent ? Philippe Gillet ne change pas un iota de sa version. Je n'y suis pour rien dans la mort de mon épouse. C'est une vache qu'il a écrasée. Ah, le juge d'instruction se dit, mais écrasé par une vache, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pour moi, c'est impossible qu'il ait tué ma mère. Et lorsque Anaïs Guillaume va disparaître, la dernière personne qui l'a vue, c'est Philippe Gillet. On aimerait savoir où elle est, ce qui lui est arrivé. On pense très fort qu'elle est morte. On pense très fort que c'est lui qui l'a tuée. Ça fait quand même beaucoup de personnes qui décèdent de son entourage proche. Pour moi, mon père est innocent. Tout commence à quelques kilomètres de la frontière belge, dans un petit village des Ardennes, à Blaigne. Le 17 avril 2013, Madison reçoit l'appel des parents de son ami, Anaïs Guillaume. Ils sont inquiets, car leur fille de 21 ans a découché sans les prévenir, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Les parents d'Anaïs essaient de me joindre le 17 avril quand même pour me demander si j'ai des nouvelles d'Anaïs. Madison, c'est la meilleure amie d'Anaïs. Elles sont inséparables, elles se téléphonent tous les jours, elles se voient très régulièrement. Je lui dis, j'en ai eu hier. Elle devait me rappeler, mais elle m'a pas rappelé. Et j'attends toujours son appel. Tous les proches d'Anaïs sont inquiets. C'est certain, il y a quelque chose qui cloche. D'autant plus que la jeune femme ne répond pas lorsque ses parents tentent de l'appeler sur son portable. Déjà, elle ne rentre pas de la nuit. C'est pas normal, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à la joindre non plus sur son portable. Anaïs, elle reste jamais sans donner de nouvelles à son père, à sa mère, son petit frère, ou même moi-même, même quand elle avait plus de crédit, on arrivait toujours à joindre, elle trouvait toujours une solution. Anaïs Guillaume a quitté le domicile de ses parents la veille au soir, en leur annonçant qu'elle rendait visite à des amis et qu'elle ne rentrerait pas tard. Partie au volant de sa voiture, la jeune femme aurait-elle eu un accident ? A-t-elle fait un malaise sur la route ? Pour l'heure, mystère. Cela fait plus de 12 heures qu'Anaïs n'a pas donné signe de vie. Madison, accompagnée de la mère de la disparue, décide de partir à sa recherche. Le tour, on a cherché ensemble les chemins qu'on prenait à cheval et les endroits où on aimait être avec Anaïs. On a essayé de faire le plus de chemins qu'on savait, des endroits où on avait des doutes. Mais sur les routes environnantes, aucune trace d'Anaïs ou de son véhicule. Et alors que la nuit tombe sur Blaigny, l'angoisse grandit pour ses proches. Plus les heures passent, plus ce sentiment laisse place à une vraie inquiétude. C'est pas normal. Il n'y a pas la voiture non plus. On la voit pas, personne n'a vu passer. Plus le temps avance, plus ils disent, il y a un problème. Il y a un gros problème. Après 48 heures sans nouvelles,
les Guillaume, au comble de l'inquiétude, décident de se rendre à la gendarmerie pour signaler sa disparition. Seulement voilà, pour les forces de l'ordre, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Anaïs est majeure. Ils disent, écoutez, attendez un peu, elle va revenir. Ils considèrent qu'elle a pu aller prendre l'air. Mais pour les parents d'Anaïs, Valérie et Fabrice Guillaume, l'argument avancé par les gendarmes ne tient pas la route. Ils savent pertinemment que leur fille n'a rien d'une fugueuse. Bien au contraire. Voici Anaïs. C'était 3 ans avant sa disparition. À 21 ans, la jeune femme est une bonne vivante. Tous ceux qui la connaissent sont unanimes. Elle croque la vie à pleines dents. Adore le chant et faire le pitre pour le plus grand plaisir de ses amis. Une fille super, elle était tout le temps motivée. Anaïs, franchement, toujours le sourire aux lèvres, la joie de vivre. C'est un rayon de soleil, tout le temps le sourire, tout le temps à déconner, à aider. Si elle pouvait aider, elle aidait tout le monde. C'est une personne sur qui on peut compter, Anaïs. En dehors de ses amis, Anaïs consacre tout son temps libre à son hobby, les chevaux. L'équitation, pour Anaïs, ça représentait vraiment tout, c'était sa passion. Passionnée de chevaux, je crois que le mot est presque trop faible. Elle est vraiment mordue. Elle avait un très bon niveau à cheval. Anaïs Guillaume possède 2 chevaux auxquels elle est très attachée. Elle les entraîne d'ailleurs quotidiennement, car son rêve est de se rendre à l'été 2014, dans tout juste un an, aux Jeux équestres mondiaux qui doivent se dérouler en Normandie. Jamais elle aurait laissé ses chevaux. Pour moi, c'est impossible qu'Anaïs ait fugué. Elle avait tellement de projets qu'elle n'aurait pas pu partir comme ça. D'autant qu'Anaïs Guillaume adore son métier. Amoureuse de la nature, elle travaille comme apprentie dans une ferme. Et de la vie de tous, c'est une très bonne agricultrice. Elle s'occupait beaucoup des veaux, donc donner à boire aux veaux, à manger. Pour une fille, c'était des travaux physiques. Il faut porter des seaux de lait, il faut porter du foin, de la paille. C'est beaucoup de travail physique. Anaïs Guillaume, elle est robuste, c'est une fille solide, et puis elle aime ce qu'elle fait. Elle était obligée de traire toute seule, parfois. Elle était débrouillarde, et elle le faisait, sans rechigner. Elle aimait ça même, à la limite, d'être valorisée comme ça, par le travail. Mais si Anaïs Guillaume est aussi bien dans sa peau, c'est que depuis plus d'un an, elle entretient une relation avec le propriétaire de la ferme dans laquelle elle travaille. L'élu de son cœur, le voici, Philippe Gillet, un veuf de 40 ans. Philippe Gillet et Anaïs Guillaume ont une relation sentimentale et sexuelle. Pour moi, il se refait une jeunesse avec Anaïs. Voilà, il s'amuse, c'est la fête du slip, tout va bien. Et malgré leurs différences d'âge, Philippe Gillet et Anaïs Guillaume vont finir par devenir inséparables. Et bien entendu, il y a une complicité qui va se créer. Ils partageaient beaucoup de choses en commun. Cet amour de la terre, cet amour de la nature, cet amour des bêtes. Un amour atypique que les deux filles de Philippe Gillet mettront du temps à accepter.
Avec le temps et le recul et que je voyais que ça rendait mon père heureux et au final, alors qu'avant il était vraiment malheureux, ben je me suis dit que ça lui apportait du bien et que quelque part il fallait quand même qu'on soit heureuse pour lui et qu'il fallait l'accepter, quoi. Alors, Anaïs aurait-elle tout simplement passé les deux derniers jours chez son compagnon ? Plein d'espoir, les parents de la jeune femme contactent Philippe Gillet. Mais malheureusement, l'agriculteur leur indique n'avoir lui aussi aucune nouvelle d'Anaïs. Fabrice et Valérie Guillaume vont alors prendre les choses en main. Ils préviennent les médias de la disparition de leur fille. La gendarmerie nous a dit que pour eux, il n'était rien arrivé, qu'elle était toujours vivante. Mais bon, on n'arrive même pas à la joindre sur son portable. D'habitude, elle répond toujours au message ou à l'appel. Et là, il n'y a rien du tout. Si on tombe toujours sur la messagerie, c'est ça qui nous inquiète le plus. Anéantie, la mère d'Anaïs lance un appel déchirant à sa fille. Anaïs, si tu m'entends, reviens à la maison, on t'aime. Tes frères, ils t'attendent et nous aussi, on t'aime très fort, Anaïs. Malheureusement, cet appel n'y changera rien. Cela fait maintenant plus de 72 heures que la jeune femme n'a toujours donné aucun signe de vie. Et une découverte préoccupante va bientôt plonger toute sa famille dans l'effroi. En Belgique, à Florentville, à quelques kilomètres de la frontière française, un promeneur découvre la carcasse d'une voiture brûlée en pleine forêt. Avertis par les autorités locales, les gendarmes français font tout de suite le lien avec la disparition d'Anaïs Guillaume, survenue 3 jours plus tôt. Grâce au numéro de châssis du véhicule, ils ont vite la confirmation qu'il s'agit bien de celui de la disparue. Donc les plaques d'immatriculation ont été arrachées. C'est quand même pas courant et on ne les retrouve pas autour. Mais selon toute vraisemblance, dans un mode opératoire assez connu, des personnes qui veulent faire disparaître des véhicules de manière à ce qu'on mette un peu plus de temps à l'identifier. Alors, est-il arrivé quelque chose de grave à Anaïs Guillaume ? A-t-elle fait une mauvaise rencontre la nuit de sa disparition ? Une hypothèse de plus en plus crédible, car un détail laisse penser que ce n'est pas la jeune femme qui était au volant de sa voiture. C'est la position du siège conducteur qui est reculée au maximum. Or, on sait qu'Anaïs fait un peu plus d'1m60. Et le siège était vraiment reculé à fond, il aurait fallu de très grandes jambes pour pouvoir le piloter. Donc, c'est pas elle qui a conduit pour la dernière fois son véhicule. Est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre et que c'est les personnes qui sont à l'origine de cette mauvaise rencontre qui ont décidé d'aller essayer de faire disparaître cette voiture ? C'est une catastrophe. Parce qu'on commence à vraiment quitter la sphère de ce qui pourrait être normal et on tombe dans ce qui devient réellement inquiétant. Face à ces nouveaux éléments très inquiétants, la piste de la fugue est abandonnée. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Elle est confiée à la section de recherche de Reims, qui va tout faire pour retrouver Anaïs Guillaume, avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Face à l'urgence de la situation, les enquêteurs décident d'entendre au plus vite la dernière personne à avoir vu Anaïs Guillaume vivante, Philippe Gillet. Et voici ce que le compagnon de la jeune femme raconte. Le 16 avril, soir de sa disparition, Anaïs quitte en début de soirée le domicile de ses parents chez qui elle vit. Il est 21h lorsqu'elle rejoint Philippe chez des amis communs. À
Après avoir passé la soirée à discuter autour d'un verre, et plutôt que de rentrer chez elle, à 23h30, Anaïs décide d'aller dormir chez Philippe. Ils prennent donc la direction du domicile de l'agriculteur, chacun au volant de sa voiture. Philippe Gillet explique qu'après être rentré, et ils se sont couchés, ils ont eu une relation sexuelle tous les deux, et ensuite ils se sont endormis. Mais c'est ce qui va se passer quelques heures plus tard qui va intriguer les enquêteurs. Au beau milieu de la nuit, Philippe Gillet explique s'être réveillé en sursaut, découvrant à sa gauche le lit vide. On dit « je me suis levé ». À 4h31, et je m'aperçois que Anaïs n'est plus là, il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Donc il en conclut qu'elle est partie. Un départ précipité dans la nuit, c'est étrange, pensent les gendarmes. Mais à cet instant, cela n'inquiète pas du tout l'agriculteur. Comme en atteste un texto qu'il envoie à sa compagne avant de se recoucher. Merci pour cette belle soirée et ce câlin magique. Tu aurais pu me réveiller quand tu es parti. Belle nuit. Bisous. Elle avait pour habitude de repartir et de rentrer au domicile de ses parents. Donc il ne s'en est pas inquiété plus que ça. Les enquêteurs s'interrogent. Car avec la disparition d'Anaïs et la découverte de sa voiture brûlée, ce départ en pleine nuit paraît suspect. Et vous allez voir que leurs doutes ne vont pas tarder à se confirmer. Car Philippe Gillet n'a peut-être pas dit toute la vérité sur sa nuit d'amour avec Anaïs. À en croire l'agriculteur lors de son audition, la relation amoureuse qu'il entretient avec Anaïs est au beau fixe. Mais pour les proches de la disparue, c'était loin d'être le cas. C'était souvent en dentille, quoi. C'était pas stop, c'était un coup je t'aime, un coup je t'aime plus. Pour moi, je peux pas dire qu'elle était heureuse. C'est comme les épisodes des Feux de l'amour, hein. On essaye de suivre l'histoire et puis à un moment, combien d'épisodes j'ai loupé là ? Je t'aime plus, ça va plus. C'est en un an et demi de temps, il y a peut-être eu 10-15 cassures. Le couple se serait donc séparé plus d'une dizaine de fois. Et ce n'est pas tout. Selon les proches de la jeune femme, Philippe Gillet serait un homme au caractère volcanique, capable de se montrer d'une grande violence envers sa petite amie. Voici Nicolas Houche, un ancien collègue d'Anaïs. L'homme raconte aux enquêteurs avec force et détail une dispute à laquelle il a assisté. Une scène qui, selon lui, en dirait long sur les rapports entre Anaïs et Philippe Gillet. Elle pousse Philippe, il prend Anaïs et il la jette. Philippe qui fait 2 mètres, Anaïs qui fait 1 m 60 et 60 kg, forcément, quand il la jette, ben, elle vole. C'est concrètement, elle vole sur 3, 4, 5 mètres, bon, elle tombe. Elle était par terre, elle pleurait, et à ce moment-là, en plus, il prend un seau rempli d'eau, il jette l'eau sur Anaïs, ah, tiens, tu vas pleurer pour quelque chose, et après, il jette le seau vide sur Anaïs. En l'engueulant, quoi, Pour les proches du couple, Anaïs serait une femme battue par son conjoint. Suite à cet épisode, elle aurait fui la ferme pour se réfugier chez sa meilleure amie, Madison. Anaïs est venue en pleurant chez moi avec des marques au niveau des yeux, des grosses ecchymoses, et au niveau des côtes, et elle nous a dit que Philippe l'avait frappée. Elle est venue le jour où il l'a fait, quoi. J'ai vu toutes les marques. Elle est restée quelques jours chez moi, habitée chez moi. Je pense qu'elle avait besoin de réconfort. Philippe Gillet, à l'occasion d'un énième coup de colère, aurait-il pu faire du mal à sa compagne au point de la tuer ? C'est en tout cas ce que pensent certains amis de la jeune femme.
car Anaïs fréquentait un autre homme, un certain Cyril. Et si l'agriculteur a découvert l'existence de ce nouveau petit ami, cela a peut-être pu exacerber encore un peu plus sa fureur. Comme elle nous l'a décrit, c'était très très intense. Il y avait une connexion, un aimant entre les deux. C'était, pour tout ce qu'elle m'a raconté, les regards que j'ai vus, c'était ça, des aimants tous les deux. Elle disait le prénom Cyril, elle avait déjà les papillons et les yeux qui pétillaient, quoi. J'avais jamais vu Anaïs comme ça. Les enquêteurs tiendraient-ils un mobile ? Jaloux de son rival, Philippe Gillet aurait-il cherché à se venger ? Cette hypothèse va être confortée par un SMS que Madison, l'ami d'Anaïs, va présenter aux gendarmes. Un message qu'elle a reçu seulement 4 jours avant la disparition de la jeune femme. Le 12 avril, Anaïs m'envoie un super message en me disant « Attention les vélos, j'ai une super nouvelle, c'est vraiment du concret avec Cyril, je suis vraiment heureuse. » Elle était vraiment folle amoureuse et que c'était vraiment sûr à 100% que c'est vraiment fini avec Philippe Gillet, elle n'y retournera plus. Mais il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Si depuis 2 semaines, Anaïs fréquentait un nouvel homme, comment se fait-il qu'elle soit allée dormir chez Philippe Gillet comme il l'a raconté ? Il y a peut-être une explication. Finalement, Philippe Gillet n'était plus en couple avec Anaïs Guillaume le soir de la disparition. Cette information est capitale, car si Philippe Gillet n'était plus en couple avec Anaïs, pourquoi alors a-t-il raconté aux gendarmes leur nuit d'amour ? Son réveil en pleine nuit et sa compagne qui n'est plus à ses côtés. Et enfin l'envoi du SMS à 4h31. Dès lors, Philippe Gillet fait figure de suspect numéro 1 dans cette affaire. Le 31 avril 2013, soit 15 jours après la disparition d'Anaïs Guillaume, les gendarmes décident de perquisitionner l'exploitation agricole et le domicile de Philippe Gillet, bien décidés à trouver des indices concernant la disparition d'Anaïs Guillaume. Donc on va fouiller la ferme, on va fouiller les terres, on va fouiller les dépendances, on va fouiller tout ce qui est possible d'être fouillé. Ils ont sondé la fosse, il y a une fosse à lisier derrière l'exploitation pour récupérer le lisier des vaches. C'est des plongeurs, c'est 3 hommes grenouilles qui sont descendus dedans et ils ont ratissé. On va faire venir un hélicoptère avec des caméras particulières, on va faire venir des chiens, on va faire venir tout un ensemble de choses qui permettront peut-être de retrouver le corps. Sous le regard incrédule des employés de la ferme, le moindre centimètre carré est donc passé au crible. Dans toute la partie maison, tout a été regardé. Ils sont une dizaine à faire des fouilles. Et avec les lampes, ils mettent les pièces dans le noir, on cherche. Tout a été regardé. Les tiroirs ouverts, le lit démonté. Tout est sorti, tout est comptabilisé, noté, répertorié. De son côté, du haut de son tracteur, l'agriculteur observe les fouilles avec mépris et amusement. Il va même jusqu'à narguer les gendarmes. Philippe Gillet, pendant la perquisition, est sûr de lui. Il dit même aux gendarmes, vous pouvez continuer à chercher, vous ne trouverez rien. Si Anaïs s'est caché quelque part, c'est pas sur la ferme. S'il y avait quelque chose à trouver, je veux dire, il l'aurait trouvé à ce moment-là. Les enquêteurs sont persuadés qu'Anaïs a été tuée, mais ils ne peuvent pas le prouver. Aucun élément ne permet de mettre en examen l'agriculteur pour meurtre. Et donc forcément, sans aucun indice, pour orienter leurs recherches, les gendarmes abandonnent la piste Philippe Gillet. À Blagny, plus de 2 mois après la disparition d'Anaïs Guillaume, les gendarmes ne veulent pas baisser les bras pour autant.
ils n'ont qu'une idée en tête, retrouver le corps de la jeune femme. Battus, plongeurs, équipes cynophiles, les opérations de terrain se multiplient, sans succès. Pour les parents de la jeune femme, l'espoir de retrouver leur fille vivante s'amenuise de jour en jour. S'il a la possibilité de nous contacter, ce sera déjà fait. Surtout que là, hier c'était son anniversaire, avant-hier c'était l'anniversaire à son grand frère. Donc, puis il y a eu la fête des pères, la fête des mères. Moi, elle nous a envoyé un message. Ça fait 2 mois et demi, et on attend, on n'a même pas un élément, rien du tout. C'est encore pire qu'au début, quoi. Et même si les Guillaume imaginent le pire, il leur reste au fond d'eux un espoir aussi minime soit-il. Pour Anaïs, ils se doivent de continuer à chercher. Aidés par les amis de la jeune fille, ils vont pendant des mois placarder des avis de recherche dans l'espoir de recueillir des informations utiles. Ils ratissent également à pied des centaines de kilomètres carrés de nature entre Blagny et la frontière belge, en espérant retrouver la trace d'Anaïs. On a fouillé tout ce qui était le coin Chameleux vers les bois de Belgique, quoi. On a été loin, hein. On a tout ratissé, on a tout fouillé. Débattu, chargé d'émotions, car après tant de jours de disparition, tous savent qu'ils peuvent découvrir le pire derrière un talus. Toutes les personnes étaient affectées, tout le monde était ému. On sentait à ce moment-là où on était vraiment pas bien. À chaque moment, on avait les frissons, les larmes. Et ça, c'était pour tout le monde. Ça ne donne rien. Je veux dire, on est à la recherche, bon, bien évidemment, d'un corps, mais pourquoi pas aussi d'éléments de vêtements, de portables, de choses comme ça, et on ne retrouve rien, absolument rien. Les jours, les mois, les années passent. Pendant 2 ans, les proches d'Anaïs Guillaume cherchent inlassablement, sans aucun résultat. Une attente dévastatrice. Quand les jours passent, avec tout ce qui se passe, on ne sait pas trop comment penser, mais on garde toujours l'espoir de revoir sa petite bouille avec ses yeux bleus, toute blonde. Bon, on ne sait pas, on se dit qu'on ne la reverra jamais. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et alors que tous perdent espoir, un témoignage inespéré va relancer toute l'enquête et créer une véritable onde de choc dans la région. En 2015, 2 ans après la disparition d'Anaïs Guillaume, Nicolas Houche, l'ancien employé agricole de Philippe Gillet, va recevoir la visite d'un journaliste. Et au détour de leur conversation, l'employé va découvrir un élément du dossier dont il n'avait jamais entendu parler avant. Et ce journaliste va expliquer à Nicolas Houche que Philippe Gillet avait fait l'acquisition de 2 sacs de chaux-vive. Et on sait tous que la chaux-vive a pour particularité de dissoudre des restes humains, entre autres. Je me suis interrogé, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est... Il y a tellement de on-dit sur l'affaire que faut savoir faire le tri. Et à ce moment-là, j'ai appelé les gendarmes et j'ai demandé, est-ce que c'est vrai? Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Philippe a acheté de la chaux? Et à l'autre bout du fil, les gendarmes confirment à Nicolas Houche que son ancien employeur a bien acheté 2 sacs de chaux-vive le 16 avril 2013, la veille de la disparition d'Anaïs Guillaume. Problème. Selon l'employé de la ferme, Philippe Gillet n'utilisait jamais de chaux sur son exploitation. Et ça, il en est certain. On n'en a jamais eu besoin. Après, acheter 2 sacs, ben pourquoi faire? Je veux dire, quand on voit la taille de l'exploitation et ce qu'il y a... Si on veut désinfecter des bâtiments avec 2 sacs, on va pas loin, quoi.
j'ai pas vu les sacs de choux. Je les ai pas vus physiquement dans la ferme, mais je ne l'ai pas vu s'en servir. Donc, qu'est-ce qu'il en a fait? Je sais pas. Donc, ça m'a interrogé. Je pose la question au gendarme, est-ce que Philippe Gillet l'aurait pas utilisé pour faire disparaître le cadavre d'Anaïs Guillaume? Et je dis, ben voilà, ça se peut que Philippe ait tué Anaïs. Donc c'est un pavé dans la mare, gigantesque. Cette fois, des indices graves et concordants mettent en cause Philippe Gillet. Alors l'agriculteur serait-il un meurtrier? La question peut se poser d'autant que vous allez voir, Anaïs n'était pas la seule femme qui a disparu dans son entourage. Son épouse, Céline Gillet, que l'on voit ici, est morte un an avant cette sombre affaire de disparition. Céline et Philippe Gillet se marient en août 1997. De cette union naissent deux petites filles, Victoria et Irina. Très amoureuse de son mari, la mère de famille travaille à ses côtés, sur la ferme. Un choix de vie, pourtant difficile au début. Quand ils se sont mis ensemble, au départ, c'était pas facile. Hein. Il m'a dit, ça se voyait qu'elle était volontaire. Elle a jamais renoncé, elle a jamais baissé les bras, elle s'est toujours battue. Et puis, je pense qu'elle était soudée quand même avec mon père. Ils s'engueulaient pas. Je les ai jamais vus s'engueuler. Comme on peut avoir dans des couples. Céline et Philippe Gillet, c'est a priori l'histoire d'un couple uni, mais dont le destin va basculer dans l'horreur. Le 3 janvier 2012, il est 8h30 du matin lorsqu'un drame se serait produit. Céline est en train de rentrer les vaches dans l'étable, lorsque soudain... Céline, la femme de Philippe Gillet, vient de glisser sous une vache. La vache, elle l'a fauchée. Elle a glissé sur la paille. Donc là, elle est tombée. Elle se retrouve écrasée par une vache. Philippe Gillet va tout faire pour tenter de la sauver. Il a ouvert la barrière pour lâcher la vache. Après avoir réussi à faire sortir la vache, l'agriculteur appelle immédiatement les secours. Céline est allongée sur le sol, elle n'a pas de réaction. Elle ne répond pas aux questions. Elle est dans un coma. Son état est critique, son pronostic vital est engagé. L'agricultrice est alors conduite aux urgences à l'hôpital de Charleville-Mézières. Mais Céline Gillet décède quelques heures plus tard, laissant derrière elle ses deux petites filles, âgées de 9 et 12 ans. On est complètement perdus, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Il y a une partie qui s'est éteinte avec ma mère, je pense. Le décès est classé en accident. Seulement 3 ans plus tard, lorsque la nouvelle compagne de Philippe Gillet, Anaïs, disparaît, l'homme forcément focalise tous les soupçons. D'autant que le soir de sa disparition, Anaïs n'aurait en réalité jamais quitté le domicile de l'agriculteur, comme il le raconte depuis le début. Souvenez-vous, Philippe Gillet dit avoir envoyé un SMS à Anaïs après s'être réveillé seul. Merci pour cette belle soirée et ce câlin magique. Tu aurais pu me réveiller quand tu es parti. Belle nuit. Bisous. En se replongeant dans les centaines de pages de procédure, les gendarmes de Reims vont s'apercevoir qu'ils sont passés complètement à côté d'un détail capital. Ce message part du téléphone portable de Philippe à 4h31 et il arrive sur le téléphone portable de Céline. Incroyable.
Grâce à l'analyse de la téléphonie, les enquêteurs se rendent compte que la puce du téléphone d'Anaïs a été insérée cette nuit-là dans le boîtier du téléphone de Céline. Techniquement, on peut différencier la carte à puce du boîtier téléphone. Donc les gendarmes ont, dans le rapport de l'expertise, la certitude que le téléphone de Céline a été utilisé et qu'on y a inséré la carte SIM d'Anaïs. Il y a encore plus troublant. Car une minute après son SMS, Anaïs aurait envoyé une réponse. Merci, à toi aussi. C'est la réponse, a priori, d'Anaïs, puisque c'est sa carte à puce, mais dans le boîtier de Céline. Et là, effectivement, pour les enquêteurs, il y a un problème. D'autant que le bornage téléphonique au moment de cet échange indique qu'à cette heure-là, Anaïs se trouve encore au domicile de son compagnon. Ce qui vient contredire les déclarations de Philippe Gillet. À 14h31, d'après Philippe Gillet, elle a quitté la ferme. Donc si elle est partie, elle ne peut pas borner sur le secteur de la ferme. Les enquêteurs vont en déduire un terrible scénario. Philippe Gillet aurait en fait simulé un échange de SMS avec sa compagne. Et cela pour une simple raison. Anaïs Guillaume n'est plus en vie. La tentation, elle est claire, grande, de pouvoir dire ben, il fait les questions-réponses lui-même. Et puis Anaïs Guillaume est déjà décédé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si Philippe Gillet a utilisé le portable de sa femme décédée, ce serait à cause d'un fâcheux imprévu. Le portable d'Anaïs n'avait plus de batterie. Pris au dépourvu, l'agriculteur aurait donc, dans l'urgence, utiliser celui de Céline qu'il conservait depuis son décès. C'est un téléphone qui sert plus ou moins à construire un alibi. Et les gendarmes considèrent qu'ils ont suffisamment d'éléments pour placer Philippe Gillet en garde à vue. Le 31 mars 2015, Philippe Gillet est placé en garde à vue à la section de recherche de Reims. Mais loin de se démonter, c'est un homme calme et posé qui fait face aux enquêteurs. L'agriculteur maintient que c'est en fait Anaïs qui a utilisé le téléphone de Céline, son épouse décédée. Philippe Gillet explique qu'elle devait être en panne de batterie. Donc elle a pris sa puce et elle l'a mise dans le téléphone de Céline et elle a utilisé le téléphone comme si c'était le sien. Le téléphone de Céline Gillet, d'après lui, était un téléphone qui servait à tout le monde à la ferme. Un petit peu la cabine téléphonique de la ferme. Tous ceux qui avaient besoin de téléphoner l'utilisaient. Mais les enquêteurs disposent à présent d'un nouvel élément, susceptible de déstabiliser l'agriculteur. Il s'agit des résultats des analyses ADN menées sur le portable de son épouse décédée, Céline. Ont trouvé de l'ADN sur les cartes SIM et sur le téléphone de Céline Gillet. Or, c'est l'ADN de Philippe Gillet. On a du mal à comprendre comment, en dormant, son ADN a pu se retrouver sur le téléphone. Ce qui veut dire que, quand il dit que c'est Anaïs qui a inséré sa carte à puce, matériellement, il ment. Malgré cet élément à charge, l'homme ne plie pas. Tout au long de sa garde à vue, il continue de nier son implication dans la disparition d'Anaïs Guillaume. Les gendarmes ont sous-estimé leur adversaire. Philippe Gillet, c'est un type qui tient la route, c'est un type qui est costaud, c'est une force de la nature. Et donc, il a décidé de ne pas parler, il ne parlera pas. Il va y avoir 47 heures de garde à vue, ce qui est quand même énorme. Et Philippe Gillet ne bougera pas d'un iota sur sa position. Je n'ai rien à voir, je n'ai rien à me reprocher. Donc c'est une garde à vue qui n'aboutira à rien. Sans aveu, sans preuve irréfutable, mais surtout sans cadavre, le juge d'instruction est contraint de libérer Philippe Gillet à l'issue de sa garde à vue.
À Blagny, pour les proches d'Anaïs, la déception est immense. Pour Valérie, sa maman, que nous avions rencontrée à l'époque, le monde s'écroule. Tu t'en garde à vue et après on le relâche. On s'est dit c'est fini. On ne l'aura plus jamais. On n'arrivera pas à avoir une justice pour notre fille. Là on est désemparés. Carrément désemparés. À cet instant précis, Valérie Guillaume est loin d'imaginer qu'un incroyable rebondissement va relancer toute l'affaire sur la disparition de sa fille et enfin offrir à sa famille une chance de voir éclore la vérité. En 2016, soit 3 ans après la disparition d'Anaïs Guillaume, un nouveau juge reprend l'instruction au pôle criminel du tribunal de Reims. Pour lui, Philippe Gillet ne serait pas l'homme innocent qu'il prétend être. Et pour le prouver, il va déterrer une toute autre affaire. Souvenez-vous, en janvier 2012, la femme de l'agriculteur était morte écrasée sous une vache. Une mort qui, à l'époque, n'avait interpellé personne. Et pourtant... Le juge d'instruction se dit, mais écrasé par une vache, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, le juge aperçoit que le corps n'a pas été autopsié. Plus extraordinaire encore, il a été incinéré dans les 4 jours qui ont suivi son décès, à la demande de Philippe Gillet. Avec le recul, on se demande si l'incinération n'était pas précipitée et si ce n'était pas un moyen de dissimuler une preuve, c'est-à-dire le corps. À défaut de pouvoir exhumer le corps, le juge ordonne une expertise du dossier médical de Céline Gillet, rédigée au moment de son décès. Une stratégie qui va s'avérer payante. Le médecin légiste qui fait l'analyse pour le juge d'instruction va avoir cette vision de dire, pour moi, la thèse qui est soutenue ou ce qui est avancé pour l'accident ne colle pas. Si c'était vrai que la vache soit tombée, il y aurait eu le foie, la rate qui aurait explosé, etc. Or là, aucun organe n'est touché, à part le visage. Le visage, lui, a pris énormément de coups. Pour expliquer le décès de Céline, le juge d'instruction a peut-être une autre explication, plus vraisemblable celle-là, et qui mettrait en cause directement l'agriculteur. Le juge est persuadé qu'il l'a tabassé et qu'il l'a tué de coups. Quand on voit le bonhomme, s'il s'énerve, s'il frappe Céline, elle peut tout à fait mourir. Le juge décide alors d'entendre les proches de Céline Gillet. Et ce n'est pas du tout l'image d'un couple heureux qu'ils vont décrire. Bien au contraire. Car la femme de l'agriculteur aurait surpris la liaison entre Anaïs, la jeune apprentie, et Philippe, son époux. En réalité, les enquêteurs vont découvrir que cette histoire avait démarré bien avant la mort de Céline. Plusieurs amis de Céline Gillet ont précisé qu'elle envisageait de se séparer parce que pour elle, c'était évident qu'il y avait quelque chose entre Philippe Gillet et Anaïs. On sait que Céline Gillet, à ce moment-là, parle d'un possible divorce. Et précisément, pour Philippe Gillet, ce divorce aurait pu avoir des conséquences financières dramatiques. Car son épouse était propriétaire d'une partie de l'exploitation agricole. Elle avait 20% de la ferme et donc par conséquent, il a fallu qu'il verse une somme importante. Ça peut être immobile, si vous voulez, le divorce. Si Philippe Gillet est quelqu'un d'irascible ou qui peut passer à l'acte ou... Voilà, on peut imaginer plein de choses. Alors, en 2012, Philippe Gillet aurait-il tué sa femme Céline qui envisageait de le quitter? Puis,
Un an plus tard, en 2013, aurait-il fait disparaître Anaïs exactement pour les mêmes raisons ? Le juge décide de mettre en examen l'agriculteur pour violence ayant entraîné la mort de sa femme et pour l'assassinat d'Anaïs Guillaume. Placé en détention provisoire à la prison de Charleville-Mézières, l'homme attend son procès. Mais pour Victoria, sa fille aînée, ses accusations ne tiennent pas la route. Elle est persuadée que son père est innocent. Et cela, pour les deux crimes dont on l'accuse. On est un peu dans la compréhension. Et en plus de ça, on est en colère. Pour moi, c'est impossible qu'il ait tué ma mère parce que même encore aujourd'hui, quand j'en parle avec lui, c'est toujours la même émotion. Ça ne s'est pas calmé. Il a toujours autant de mal à en parler. C'est un sentiment d'injustice. En plus, étant donné qu'on l'attaquait déjà pour Anaïs, voir qu'en plus de ça, on l'attaque aussi pour ma mère, ça fait beaucoup pour un seul homme. Hein. De son côté, la famille Guillaume, persuadée de la culpabilité de l'agriculteur, espère que le procès à venir permettra d'avoir enfin la vérité. Car cela fait maintenant 6 ans que Valérie, la maman d'Anaïs, attend de savoir où se trouve le corps de son enfant. C'est notre enfant. On peut pas prendre un enfant. Après, voilà. C'est ce qu'on voudrait. Retrouver notre fille et vivre en paix. Le 25 mars 2019, tribunal de grande instance de Charleville-Mézières. Aujourd'hui s'ouvre le procès très attendu de Philippe Gillet. L'agriculteur risque la réclusion criminelle à perpétuité. Nombreux sont ceux à être venus voir celui que la presse appelle le taureau des Ardennes. La salle est pleine. C'est quand même le fait divers qui a passionné les Ardennes. L'atmosphère au procès, elle est très froide. C'est très dur. Il y a beaucoup de tension, beaucoup de tension. Et si la tension est à ce point palpable, c'est que dans la salle d'audience, deux familles s'affrontent. D'un côté, la famille Guillaume, persuadée de la culpabilité de Philippe. De l'autre, les Gillet, car la famille de Céline, l'épouse décédée, s'est rangée du côté de l'agriculteur. À tout juste 18 ans, c'est Victoria, sa fille aînée, qui porte la lourde responsabilité de défendre son père envers et contre tout. Quand je rentre dans la salle et que je vois les gens qui me regardent comme si j'étais une bête curieuse, oh là là, c'est sa fille, comment elle peut faire pour le défendre ? C'est qu'un monstre, c'est une ordure, j'ai déjà entendu. Hein. Donc, forcément, peut-être qu'on peut penser que ça fait du mal, mais maintenant, nous, on s'est forgé par rapport à ça et on ne fait plus attention. Ben moi, j'attends que mon père soit acquitté, forcément. Et j'attends ce qu'il rentre à la maison et qu'on puisse reprendre le cours des choses. Au moment de l'entrée de Philippe Gillet dans le box des accusés, la salle retient son souffle. L'agriculteur qui fait face à la famille Guillaume paraît serein. Il faut dire que l'homme est sûr de sa ligne de défense. Il n'a pas bougé depuis le début de cette incroyable affaire. Il se dit innocent. Philippe Gillet est un homme qui n'a cessé de clamer son innocence. Philippe Gillet ne change pas un iota de sa version. Je n'y suis pour rien dans la mort de mon épouse. C'est une vache qu'il a écrasée. Je
Je ne suis pour rien dans la disparition d'Anaïs Guillaume. Il est tel qu'il est habituellement. C'est moi, je m'en fous, j'ai rien fait, les bras croisés, j'ai rien fait. La tête haute alors que c'est quand même lui l'accusé, quoi. Cette attitude est insoutenable pour les proches d'Anaïs Guillaume. Et ils ne sont pas au bout de leur peine, car l'agriculteur convaincu que le dossier d'accusation ne repose sur aucun indice tangible, n'est pas prêt de flancher. Qu'on vient leur livrer en pâture un coupable idéal ou un coupable potentiel sur la base d'éléments qui sont particulièrement ténus. Dans un cas, on n'a pas de corps, dans l'autre cas, on n'a pas de corps non plus d'ailleurs, puisqu'il a été incinéré. Et l'accusation repose sur des témoignages, des expertises de dossiers. On a vu mieux en matière de preuves judiciaires. Pourtant, au cinquième jour du procès, Philippe Gillet va perdre de sa superbe. Car les deux experts psychiatres, appelés à la barre, vont décrire un homme capable du pire. Pour eux, pas de doute, dans les deux affaires, le mobile serait passionnel. Voici leurs mots. Philippe Gillet a un besoin de se faire respecter et un besoin de toute puissance. De plus, il a une personnalité qui ne supporte pas d'être quittée ou abandonnée. On sent que, à mesure des témoignages, à mesure des éléments qui vont être présentés et auxquels Philippe Gillet a du mal à répondre, on sent quelqu'un qui va se fermer. Mais pour la famille de l'agriculteur, le tableau dépeint par les experts et les avocats des parties civiles est bien loin de l'homme qu'ils connaissent. C'est pas facile parce que forcément, déjà, les gens essayent de le faire passer pour quelqu'un qui n'est pas. Déjà, il y a beaucoup de gens qui parlent alors qu'ils le connaissent pas. Ils le font passer pour quelqu'un de violent. Moi, j'ai jamais pris de claque de toute ma vie. Hein. Il a le verbe haut, mais il a un bon cœur. Et donc, je pense pas qu'il ait dû faire du mal. Le 3 avril 2019, après 6 longues heures de délibération, le verdict tombe en face. L'agriculteur est acquitté pour le meurtre de son épouse Céline. Mais il est condamné à 22 ans de prison pour celui d'Anaïs Guillaume. Pour toute la famille Guillaume, c'est un immense soulagement. Seulement le lendemain de cette condamnation, c'est un coup de massue. La cour invalide le verdict pour vice de procédure. Philippe Gillet sera donc de nouveau jugé. Il est aujourd'hui présumé innocent et en prison, dans l'attente de son nouveau procès. À Blagny, le sourire de la jeune Anaïs Guillaume hante encore ses parents et ses amis. Car tant qu'ils seront privés de la vérité, ils ne pourront pas tourner la page. C'était ma meilleure amie. On veut toujours garder un espoir, la revoir. On aimerait savoir où elle est, ce qui lui est arrivé. Mais c'est des questions qu'on se posera toute notre vie, je pense, parce qu'on ne saura jamais la vérité.